Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une leçon de langue et communication qui a pour objectif d'employer correctement des phrases interrogatives pour s'informer. Vous êtes prêts? Allons-y! Avant de commencer l'explication de cette leçon, rappelez-moi l'objet de l'activité de lecture précédente. Oui, donc c'était l'interview. À votre avis, quel est le type de phrase employée par le journaliste? Très bien, ce sont des phrases interrogatives. Et quels sont les mots interrogatifs employés dans chaque question? En effet, les mots interrogatifs, ce sont des mots qui servent à introduire une phrase interrogative. Par exemple, dans la première question, on a le pronom interrogatif ou. La deuxième question, l'expression interrogative est-ce que. La même chose pour la troisième, la quatrième et même la cinquième question. Dans la sixième question, on a employé un adverbe interrogatif. La même chose pour la huitième question, combien? Et finalement, dans la dernière question, on a employé un adjectif interrogatif, quel? Prenez maintenant vos livrets, la page 61, et observez attentivement le support suivant. Que représente l'image? Alors, l'image représente une femme d'affaires, peut-être une responsable, et des journalistes qui portent des microphones, des enregistrements sonores et des bloc-notes. Et que font les journalistes? Tout simplement, ils interrogent la dame, ils lui posent des questions. Je vais vous lire maintenant le support. Suivez bien avec moi. Quand commenceront les travaux? Est-ce que les ingénieurs seront marocains? Voulez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est l'importance de ce projet? Qui en a fait l'étude? Et quel est le coût global de ce projet? Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions. Alors, d'après cette lecture, qui parle? Oui, des journalistes. À qui? À une dame ou bien à une femme d'affaires. De quoi? Il interroge sur les travaux d'un projet, d'accord? Pourquoi? Tout simplement pour recueillir ou plutôt avoir des informations sur le projet réalisé. On peut dire aussi dans le but de s'informer. Alors on voit clairement que le type des phrases employées par les journalistes, ce sont des phrases interrogatives. D'accord? Qu'est-ce qui le montre? Tout d'abord, l'emploi des points d'interrogation et l'usage des mots interrogatifs. La deuxième question dans la rubrique J'observe et je comprends. À quelle phrase interrogative peut-on répondre par oui ou par non? Il y en a deux. La première phrase, est-ce que les ingénieurs seront marocains? Donc, dans ce cas, on peut répondre soit par oui, les ingénieurs seront marocains, ou bien non, les ingénieurs ne seront pas marocains. La deuxième phrase interrogative, voulez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est l'importance de ce projet? Donc, on peut répondre soit par oui, avec plaisir, ou bien non, je ne peux pas, ou bien je n'ai pas le temps de répondre à cette question. Donc, on peut conclure que quand une phrase interrogative pose une question à laquelle on peut y répondre par oui ou non, on dit que c'est une interrogation totale. D'accord? Elle porte sur la phrase entière. Par exemple, est-ce ton frère? Il y a deux réponses possibles dans ce cas. Oui, c'est mon frère, ou bien non, ce n'est pas mon frère. D'accord? Ou bien par exemple, savez-vous faire du ski? Il y a deux réponses possibles. Oui, je sais. Ou bien, non, je ne sais pas.
Et donc, on remarque que l'interrogation totale se construit avec l'inversion du sujet ou bien avec la formule « est-ce que » ou juste par l'intonation uniquement. Tournez la page. La troisième question. Je lis les autres interrogations et je complète le tableau suivant. Alors, complétez ce tableau par les phrases interrogatives employées par les journalistes en identifiant le mot interrogatif utilisé et l'objet de l'interrogation dans chaque phrase. La première phrase interrogative. Quand commenceront les travaux? Le mot interrogatif employé, c'est quand? L'objet de l'interrogation. Donc, on cherche à savoir le temps. Et lorsqu'une phrase interrogative porte juste sur une partie de la phrase, on l'appelle l'interrogation partielle. La deuxième phrase. Est-ce que les ingénieurs seront marocains? Le mot interrogatif employé, est-ce que? L'objet de l'interrogation, c'est une interrogation totale. Parce qu'il porte sur la phrase entière. La troisième question. Voulez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est l'importance de ce projet? Dans cette phrase, on a employé l'inversion de sujet, voulez-vous, et un mot interrogatif, quel? Et donc, dans la première partie de cette phrase, il s'agit d'une interrogation totale, d'accord? Et dans la deuxième partie de cette phrase, c'est une interrogation partielle, introduite par le mot interrogatif « quel ». La quatrième question. Qui en a fait l'étude? Le mot interrogatif utilisé, c'est « qui ». L'objet de l'interrogation, on cherche à savoir le sujet, d'accord? La personne. Et finalement, la dernière question. Quel est le coût global de ce projet? Le mot interrogatif employé, c'est « quel ». Et l'objet de l'interrogation, c'est une interrogation partielle. Alors, une interrogation partielle est une question qui porte sur une partie de la phrase. Elle demande donc une réponse plus détaillée que l'interrogation totale. Par exemple, pourquoi parlez-vous si fort? On ne peut pas répondre simplement à cette question par oui ou non. Donc, cette phrase est une interrogation partielle. On cherche à savoir la cause parce qu'on a utilisé le mot interrogatif « pourquoi ». Je retiens. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation à l'écrit, tandis qu'à l'oral, on la distingue par l'intonation ascendante. L'interrogation est totale quand on peut y répondre par oui ou non. Elle est partielle quand elle porte sur une partie de la phrase. Le temps, quand, le lieu, où, le sujet, qui, qu'est-ce qui, la cause, pourquoi, la manière, comment, etc. On passe maintenant à un exercice d'application, page 62 dans la rubrique « Je m'entraîne ». Je pose la question sur l'élément souligné dans les phrases suivantes. La première phrase, Kamel va jouer le rôle du journaliste. La phrase interrogative, ou bien la question, qui va jouer le rôle du journaliste? C'est Kamel qui va jouer le rôle du journaliste. Donc, comme vous voyez, on a utilisé le mot interrogatif, qui renvoie à une personne ou bien au sujet. C'est Kamel. La deuxième phrase, j'ai pratiqué la natation. La question, qu'est-ce que tu as pratiqué? On a employé l'expression interrogative, qu'est-ce que? La troisième phrase, la prière de l'Eid Kbir se déroulera dans la mosquée Hassan II. La question, où la prière de l'Eid Kbir se déroulera-t-elle?
La quatrième phrase. Je partirai demain à Rabat. La question. Quand partiras-tu à Rabat? On cherche à savoir le temps. La dernière phrase. Je rentre chez moi car j'ai des devoirs à faire. La question. Pourquoi rentres-tu chez toi? Je rentre chez moi car j'ai des devoirs à faire. La cause. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci de votre attention. À bientôt!